Bonjour, bonjour, bonjour à ma grande famille de vie à travers le monde entier. Ici, c'est votre chef. Bienvenue au message du mercredi de la semaine 51. Oh les gars, je vous encourage vraiment à suivre mes messages sur Instagram, à me suivre parce que là-bas, je parle vraiment des choses vraiment très très importantes, comme aussi dans le message du mercredi. Et les gars, c'est très très important que vous me suivez vraiment sur Instagram et sur aussi les messages du mercredi, parce que il est important que vous écoutez les messages pour que vraiment les choses changent. Vraiment les gars, j'ai fait vraiment beaucoup de réunions et au cours de ces réunions, nous avons vraiment parlé vraiment de tout ce que nous avons fait comme événement 2024, de tout ce qui va rentrer en ligne de compte au niveau des produits. Il y aura vraiment de nouveaux produits, de nouveaux événements. Il y aura vraiment beaucoup beaucoup de belles choses. Nous avons fait vraiment des réunions. Et vous voyez qu'en 2024, tout ça va rentrer en ligne compte, ce sera vraiment dans votre tissu. Et tout ça, c'est été couronné par mon mentor, Dato Sylvie Esvaran. Les gars, aussi, il est important que pour l'année vraiment à venir, que vous pouvez vraiment discuter avec vos différents leaders au niveau des différents objectifs que vous avez vraiment fixés pour l'année 2024. Mais comme l'année 2024, c'est la première année de 25 ans à venir. Ça, c'est le mantra que notre mentor à tout Dato Sylvie Esvaran à communiquer vraiment à tous. Et tout un chacun devons vraiment respecter cela. Sachez que l'année 2024, c'est la première année de 25 années qui vont venir. Et chacun vraiment doit se fixer des objectifs dans cette première année pour les 25 prochaines années qui vont venir. Afin que chacun puisse vraiment respecter ce qu'il aura vraiment décidé. Les gars, sachez aussi que Audio, c'est un jour merveilleux moi pour un souvenir merveilleux vraiment pour ma maman. Et aussi pour mes frères, nous trois vraiment, qui, disons, avons décidé véritablement de suivre Dato Sylvie Gué. Et vraiment, j'ai une reconnaissance infinie pour Dato Sylvie Gué parce qu'il nous a acceptés et c'est lui qui a fait de nous vraiment ce que nous sommes aujourd'hui. Et vraiment, nous avons vraiment une gratitude infinie, infinie pour lui, envers lui. Vraiment, ce jour, c'est un jour vraiment très, très émotif pour moi. Et je ne cesserai jamais de dire merci à Dieu, merci à Dato Sirvigye Esvaran, vraiment merci à tous ceux qui m'ont soutenu et continuent vraiment de me soutenir. Vraiment, c'est un merci vraiment infini à tous. Bienvenue au message du mercredi, les gars. Vraiment, ce message du mercredi que je vais véhiculer, les gars, vraiment, soyez très très attentifs parce que ce message ne vient pas de moi, mais ça vient de notre mentor Dato Sirvigye Esvaran avec qui j'ai causé énormément. Les gars, le message que je vais passer, soyez vraiment très attentifs à ce que je vais faire passer parce que c'est très important pour véritablement le développement de votre network. Ce sera très très important. Concernant mon message, mercredi, cela sera porté vraiment sur ceux qui rencontrent énormément d'échecs, énormément d'obstacles véritablement dans cette activité-là. Leur dit que faire et comment véritablement y arriver. Vraiment, vous faites des présentations et vous recevez rien que des noms. Des rejets, les gens se moquent de vous et c'est qui amène vraiment des gens vraiment à quitter vraiment l'activité. Vraiment, c'est de ça que je veux vraiment parler vraiment aujourd'hui. Vraiment pour tous ceux vraiment qui veulent vraiment réussir vraiment dans ce système, qui véritablement ont véritablement un grand ego. Vraiment, cela ne les permettra pas véritablement de réussir vraiment dans le système. Ça va plutôt les détruire. Vraiment les gars, pour réussir dans le network, dans cette activité que nous avons tout devant d'essayer d'embrasser, il est important véritablement d'abandonner l'ego. Parce que celui qui a un grand ego vraiment ne peut pas réussir dans ce business. Je vous parle en connaissance de cause. Parce que ça fait véritablement 25 ans que je devant cette activité. Et je vous assure que celui qui a un grand ego ne peut pas réussir dans notre système. Les gars, je ne vais pas vous mentir. L'ego dans ce business, vraiment, tous ceux qui ont débuté vraiment ont eu vraiment cet ego. Mais cet ego a été vraiment contrôlé par le leader, a été véritablement contrôlé, comme pour moi, a été contrôlé par notre mentor Dato Sylvie Gué. Et c'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, je sois la personne que vous voyez.
Donc, il est important que vous permettiez vraiment à votre leader de pouvoir contrôler vraiment votre ego. Et c'est ce qui fera que vraiment, vous allez vraiment changer vraiment beaucoup de choses et votre personne même changera. Sans véritablement le contrôle vraiment de cet ego qui est véritablement surdimensionné, les gars, je vous assure que nous ne pouvons pas réussir vraiment dans cette activité-là. Donc, il est important que véritablement vous arrivez vraiment à contrôler vraiment votre ego. C'est ce qui vous permettra véritablement d'avoir du succès dans cette activité. Le message véritablement de 2024, le message vraiment de d'aujourd'hui est relève-toi encore, mon gars, relève-toi encore, relève-toi encore. Mon gars, c'est très très important pour ton développement, pour ton succès véritablement dans cette activité. Tu dois à chaque fois te relever. Lorsque tu rencontres véritablement un obstacle, tu dois à chaque fois te relever pour toujours avancer, pour atteindre véritablement l'objectif que tu t'es fixé. Les gars, sachez que les raisons pour lesquelles j'ai décidé vraiment de vous faire passer ce message qui est « Relève-toi encore », il y a deux raisons fondamentales. Le premier est adressé vraiment à des personnes qui rencontrent vraiment beaucoup d'échecs vraiment dans cette activité. C'est pour leur dire véritablement n'abandonne pas, relevez-vous encore et continuez véritablement jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif. Relevez-vous encore et continuez. Ça pour dire quoi? Dès l'instant où tu n'as pas vraiment vu dans ton coin ça compte, c'est que tu échoues. Tu dois encore continuer, tu dois encore continuer, tu dois encore continuer, les gars. C'est comme ça notre activité. Tu dois continuer jusqu'à ce que vraiment tu vois vraiment dans ton coin ça compte, ce que tu as décidé de voir. Et c'est ce message que j'ai donné durant toute l'année 2023 et je vais encore donner ce même message à l'année 2024. Tu dois encore continuer, tu dois encore continuer. Si véritablement les objectifs que tu t'es fixés en 2023, tu ne les as pas atteints, mon gars, tu dois encore fixer encore ces objectifs en 2024 et puis refaire d'une autre manière pour que vraiment tu puisses encore atteindre, les réaliser. Peut-être que tu n'as pas fait vraiment avec beaucoup de passion, véritablement, tu n'as pas pu réaliser tes objectifs en 2023 parce que tu n'as pas mis la passion, tu n'as pas mis l'engagement qu'il faut. Mais c'est ce que tu vas devoir corriger vraiment en 2024 en mettant la passion et l'engagement qu'il faut pour réaliser vraiment ces objectifs. Les gars, aussi sachez que dans cette activité, que ce soit Dato Sylvie, que ce soit Japata Disma, que ce soit moi, que ce soit vraiment tous vos grands leaders, chacun de nous a eu un échec. Chacun de nous a un échec. Le succès n'est pas garanti, disons, 100% pour dire que tu n'auras pas d'échec. Chacun de nous ici a eu un échec et c'est la même chose pour vous. Mais je vous encourage véritablement à toujours continuer parce que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes là et c'est la même chose pour vous. Comme je disais, peut-être que tous les objectifs que tu t'es fixés en 2023, vraiment, tu ne les as pas atteints. C'est-à-dire permettre à tes dents vraiment d'atteindre ton objectif. Permettre à ton organisation vraiment d'aller vraiment dans de nombreux pays à travers vraiment le monde. Oui, beaucoup d'objectifs tu n'as pas atteint, mais tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois encore fixer ces objectifs et travailler encore avec beaucoup plus de passion et d'engagement. C'est pourquoi le mantra vraiment qui nous est communiqué par notre mentor d'Atosophie, c'est de « il faut se relever encore ». Ce qui n'a pas réussi véritablement, ce que tu t'es fixé comme tu n'as pas réussi en 2023, tu dois encore fixer encore en 2024 et travailler encore beaucoup plus de passion, beaucoup plus de présentation, beaucoup plus de suivi, beaucoup plus d'action, de formation pour que véritablement tu puisses vraiment les réaliser. Les gars, il faut se relever encore. Il faut aller encore. Il faut foncer encore. Et for a long time, all you have to do is rise again. And rising again is just a conscious decision. It is not about that you have given up. You have not. It's not that the challenge is too big. It's a mentality that you have. That if you see too much... Mon gars, tu dois te relever. Tu dois te relever parce que tu as ton rêve à réaliser. Tu dois te relever parce que tu dois prendre soin de ta famille. Tu dois te relever parce que tu dois donner le meilleur à ta famille. Tu dois te relever et puis continuer. Tu dois te relever et puis aller encore. Fais encore jusqu'à ce que vraiment tu atteignes ton objectif. C'est ça notre activité, les gars. On doit toujours se relever. On ne doit jamais abandonner. On ne doit jamais abandonner. On doit toujours se relever pour toujours avancer. C'est vrai que tu as eu beaucoup de challenges. Tu es fatigué. Oui, c'est vrai. On est d'accord avec. Mais tu dois encore te relever et puis encore avancer pour encore réaliser. Dato Sylvie, Japadas Bismarck, tous vos leaders ont connu ça, ils se sont relevés et ont continué. Et voici aujourd'hui leur vie. C'est la même chose pour toi, mon gars. Tu dois faire pareil. Tu feras cela pourquoi? À cause de ton rêve. Tu feras cela pourquoi? Parce que tu dois réaliser ton rêve. Parce que tu dois avoir beaucoup de choses dans ta vie. Parce que tu dois être heureux. Ta famille doit être heureuse. Oui, tu dois te relever et puis aller encore.
Oui, tu as travaillé avec des gens en 2023 qui ont atteint l'objectif. Toi, tu n'as pas atteint l'objectif. Oui, on est d'accord. Mais tu dois encore te relever. Et tu dois encore poursuivre pour atteindre toi aussi tes objectifs. Tu dois encore te relever et avancer parce que tu es un rêveur. Tu dois encore te relever et avancer parce que tu as des grands rêves à réaliser. Tu dois encore te relever puis avancer parce que tu dois rendre ta famille heureuse. Tu dois encore te relever pour avancer parce que tu as des engagements. Tu dois encore te relever et avancer parce que des gens qui t'ont fait confiance t'ont suivi. Tu dois encore te relever, avancer et tenir vraiment tes promesses. Oui, comme je disais, il y a des gens qui ont réalisé vraiment leurs objectifs, qui sont vraiment autour de toi, que tu vois. Oui, c'est tout à fait vrai. Mon gars, tu dois te relever. Tu dois encore te relever pour tes rêves. Tu dois encore te relever pour tout ce que tu veux réaliser. Tu dois encore te relever pour tout ce qui va te rendre heureux. Mon gars, dans ta vie, tu dois te relever. Tu dois toujours avancer pour pouvoir vraiment réaliser tes rêves. Tu dois te relever. Tu dois te relever parce que tu as des engagements à tenir. Tu as des promesses que tu as faites. Oui, tu dois te relever pour toujours avancer. Les reines et les rois de Max Out aujourd'hui, ils ont connu la même chose comme toi. Ils se sont relevés et ils ont avancé sur toi aujourd'hui. Ils sont reines et rois de Max Out. Tu dois te relever. Pour toujours avancer, mon gars, tu dois te relever. Vraiment, lorsque tu rencontres des échecs, ce n'est pas l'empêche vraiment de te retrouver vraiment dans ta zone de confort. Non, tu dois te relever. Des personnes qui ont eu du succès, qui pensent que ces personnes sont arrivées, qui sont encore dans leur zone de confort, ils ont dit non, ces personnes doivent encore se relever. Ils doivent encore poursuivre. Il est important de pouvoir encore poursuivre, de pouvoir vraiment réaliser encore de grandes choses dans la vie. Les gars, relevez-vous et puis continuez toujours de vous fixer des objectifs et de toujours avancer. Les gars, laissez-moi vous dire quelque chose. Même celui mec qui pense qu'il est arrivé, il atteint le max out, qu'il est vraiment dans atteint le max out, qu'il se trouve dans une zone de confort, c'est une grosse erreur. Il doit se relever et puis toujours avancer. Parce que sachez que effectivement, tu peux atteindre vraiment un certain niveau dans cette attitude et que tu penses que le niveau que tu atteins est suffisant. Les gars, c'est une grosse erreur. C'est que tu te trouves dans une zone de confort qui peut te remettre à zéro. Donc tu dois encore te relever pour toujours avancer, pour toujours avancer, pour toujours avancer. Les personnes qui pensent qu'elles ont eu 1 000 $, 2 000 $, 5 000 $, vraiment 10 000 $, et elles se retrouvent dans leur zone de confort, c'est très, 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 très dangereux. C'est très, très dangereux. Ces personnes-là, c'est une grosse erreur de leur part. Ces personnes doivent se relever et puis toujours avancer pour avoir encore le maximum. Il ne faut pas vraiment arriver à un certain niveau et puis vraiment demeurer dans la zone de confort. Et ça, c'est une grosse erreur. On doit se relever. On doit se relever pour toujours avancer. Sachez que les gars, vous devez toujours vous relever, peu importe vraiment le dollar que vous gagnez, que ce soit 10 000 $, que ce soit 5 000 $, vous devez toujours, même si vous avez vraiment atteint vraiment un max aussi, un TC, ça ne suffit pas. Je vous dis, pour avoir la liberté financière, il faut vraiment avoir le max aussi, 3 TC. Donc, ce qui veut, tu dois encore te relever, tu dois encore poursuivre pour vraiment toujours élever le niveau et atteindre vraiment de grands objectifs, les gars. Ne vous abandonnez pas dans une zone de confort. Non, il faut toujours se relever pour toujours avancer, pour toujours changer des choses dans sa vie. Les gars, relevez-vous et avancez encore. Lorsque vraiment une personne se contente d'avoir eu vraiment 5 000 $ la semaine, c'est que la personne se trouve dans une zone de confort qui va permettre à ces personnes vraiment de revenir à zéro. On ne doit pas se contenter vraiment de ce qu'on a. On a un potentiel dans ce business qui est illimité, qui peut nous permettre vraiment d'avoir le maximum. Donc il ne faut pas vraiment se trouver dans une zone de confort. Il faut à chaque fois se relever, toujours poursuivre pour atteindre vraiment l'objectif. L'objectif vraiment dans cette année 2024, c'est que tous nous devons nous relever. Tous nous devons nous relever vraiment. Personne ne doit se trouver dans sa zone de confort. Tout le monde doit se relever pour toujours avancer parce que c'est le début c'est la première année de 25 années encore qui nous attendent. Donc chacun doit se trouver dans une peau d'une nouvelle personne, d'un nouveau networker qui doit encore se relever et faire encore le maximum pour toujours avancer. Et ce message est pour tous, que tu aies atteint le max ou que tu n'aies pas atteint le max ou que tu aies 0 $, que tu aies 5 000 $, 10 000 $, max, le 15 000 $, oui je respecte tout ça. Mais les gars, vous devez savoir que ce message, c'est pour tout le monde. L'année 2024, tout le monde doit se relever. Tout le monde doit se relever. Et ce message est pour tous. Que ce soit tous ceux qui sont au niveau de Kivine, tous ceux qui sont au niveau de vie, tous les networkers, ce message est pour tous. Tout le monde, l'année 2024, tout le monde doit se réveiller. Parce que depuis 1998 jusqu'à ce jour, ça fait 25 ans. Et c'est 25 ans, il y a eu du boulot, il y a eu du travail. Ce qui revient encore, l'année 2024, c'est encore un recommencement de 25 prochaines années. Et tout le monde doit se réveiller pour que vraiment on puisse atteindre encore de grands objectifs.
Parce que les 25 années passées vraiment ont été vraiment des années vraiment très fantastiques. Et nous ambitionnons, nous voulons encore que ces 25 prochaines années qui viennent, qu'on soit vraiment de 25 années vraiment très, 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 très fantastiques. Et pour cela, tout le monde doit être au même niveau. Tout le monde doit se relever. Et ce message, comme je vous disais les gars, ce message est pour tous. Ce message est pour tous. Que tu aies fait 0$, que tu aies fait le max out, ce message est pour toi. Tu dois encore te relever. Tu dois encore te relever pour toujours avancer. Les gars, il y a 25 prochaines autres années qui nous attendent. Et chacun à son niveau doit se relever pour que véritablement tous, les 25 prochaines années qui vont venir, soient vraiment une année magnifique. Les gars, je compte sur vous et sachez que je vous aime.